vrai qu'en vrai aux toilettes on s'en rend pas compte, mais on fait des choses qui sont totalement folles. Et on s'en rend vraiment pas compte parce que c'est des choses du banal, mais aujourd'hui je vais tout te montrer. Par exemple, il y a des gens sur Terre, ils ne suent pas après avoir chié. Je les comprends pas. Oh non, pas besoin, pas besoin. Je vais rechier plus tard. C'est leur raisonnement. Après c'est vrai que quand on y pense, quand on va faire pipi, ça on le dit, mais quand on va faire caca, on le dit pas. C'est quand même bizarre, hein. Après c'est clairement compréhensible quand on voit ce qu'on lâche aux toilettes quand on fait caca, hein. On va pas se mentir que voilà. Mais je sais pas pour vous, moi quand je vais aux chiottes, j'aime pas qu'on entende quand ma crotte elle fait plouf. Et bah du coup je mets plein de papier toilette au fond, sauf que c'est assez bizarre. Bah disons que tu te retrouves avec un max de papier toilette au fond, mais après t'as plus de pécu pour t'essuyer quoi, c'est un peu chiant. Mais si on reprend la logique du début, bah t'as pas besoin puisque tu vas rechier après. C'est une logique qui se comprend pas du tout, pas du tout, elle se comprend pas du tout cette logique. Ça m'est arrivé une fois dans l'avion, j'avais trop envie de chier vraiment. J'avais vraiment trop envie de chier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais dans les toilettes de l'avion. Sauf que les toilettes de l'avion, c'est ça. Voilà, c'est pas des toilettes nickel. J'y vais, frérot, il y avait même pas de brosse à chiottes. J'avais laissé des grosses traces de pneus, frère, c'était incroyable. Il y avait des gens qui attendaient, il y avait 3 personnes qui attendaient derrière moi. Courage, courage. Parlons maintenant de toilettes publiques, c'est vrai, ça, quelle est l'idée de faire ça? C'est vraiment une dinguerie, c'est nul. Frérot, j'ai trop peur d'être enfermé dans les toilettes publiques. Imagine, ça s'ouvre plus et tu restes enfermé avec l'eau qui monte. C'est horrible. Ah mais moi, j'y étais une fois, j'y retournerai plus. Ah mais ça c'est sûr, hein. Ils appellent, car il faut pas. Des fois ma mère elle m'appelle, je suis aux chiottes, elle me demande, va vite chercher quelque chose. Je peux pas, je suis en train de chier maman. J'ai vite perdu mon innocence quand j'ai appris que les femmes, elles faisaient caca aussi. Ah mais ça, ça m'a choqué ça. Dites-vous que elle par exemple, elle fait caca tous les jours presque. C'est assez perturbant, ça c'est perturbant. Il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est les perfects aux toilettes. C'est quand tu poses ta crotte, il n'y a aucune trace sur le papier toilette. Ça, c'est plaisant de fou ça. Tu peux même faire si tu veux, le remettre le papier toilette, on verra même pas la différence. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé ce podcast sur les toilettes. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Au niveau des likes, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On est bientôt aux 3000. Quand je tourne la vidéo, peut-être qu'on les a déjà passées. Quand elle sortira, je sais pas. Voilà, merci encore et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, 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 ciao. Ciao.